on a eu recours au service de CQI parce qu'on avait une idée entrepreneuriale sur les marchés qu'on voulait développer. Et on n'était pas certain que le marché textile existant au Mexique était intéressé dans ce genre de produits à valeur ajoutée. CQI nous a permis de valider nos hypothèses et après ça, prendre des décisions éclairées. On a décidé d'ouvrir un bureau de vente à Puebla, au Mexique. On a pris un employé québécois, on l'a déménagé. On a eu un engouement pour nos produits. Nos ventes sont en forte croissance. Ce qu'on a apprécié le plus en travaillant avec CQI, c'est la rapidité d'action, la valeur ajoutée, point de vue prix-qualité, c'était super. Pour nous, c'était vraiment un atout dans notre plan de croissance. CQI peuvent offrir, comme je disais tantôt, le one-stop shop, peuvent offrir dans un, en fin de compte, une entreprise, on parle à quelqu'un, à une personne, mais on est capable d'avoir un éventail de services qui passe, comme on disait, jusqu'à l'exportation logistique. Les codes HS, hein, faut pas se tromper aux douanes. On retrouve tout sur la même place. C'est assez unique. On a intérêt à. C'est plus intérêt à se faire connaître. On a intérêt à connaître ces pays pour le développement de nos business. Au Québec, il y a énormément de petites entreprises, puis c'est tous des très bons produits qu'on fait. Produits et services. Donc, CQI peut nous aider à créer de la richesse à ce niveau-là. En fait, c'est notre équipe, nos 14 experts qui se déploient dans l'entreprise pour aider l'entreprise à réaliser son plan d'action. Donc, au départ, on écoute les besoins de l'entreprise, on regarde vraiment leurs besoins, on leur propose une intervention de notre équipe. Donc, il peut y avoir 4, 5, 10 personnes qui interviennent selon nos spécialités. Et puis, par la suite, ben, on va bâtir notre mandat, on va bâtir avec l'entreprise. Donc, on est là pour un temps de croissance pour aider les entreprises à bien se positionner à l'international. On a des rêves, on veut réaliser quelque chose, mais je pense que de travailler avec des partenaires, de se faire accompagner, d'aller chercher les bonnes ressources, ne serait-ce CQI qui nous a accompagnés, qui a été extraordinaire, mais il y a plein de gens qui peuvent nous accompagner dans tout ça. Puis, jamais abandonner la rigueur. On ne peut pas penser à aller en Europe, puis revenir, puis dire, ben ça n'a pas marché. Il faut y retourner, puis je pense que c'est la persévérance qui va faire toute la différence. Pendant que CQI travaille à faire grossir notre business, nous, on continue à la renforcer. C'est ça la différence. Il ne faut pas commencer à s'éparpiller. Un entrepreneur, là, c'est des limitations au niveau de ses ressources. On pousse la business dans le B2B, puis il y a quelqu'un d'autre qui va dire, « Hey, on va donner un coup de main à la faire croire. » C'est un investissement pur et simple.